Salut à tous, aujourd'hui je vais déballer avec vous mon nouveau casque AJC Furion 2.0. Et oui, vous l'avez bien vu, ça fait maintenant un an qu'on utilise les casques de la marque AJC, mais on va changer quelque peu de couleur, on va le voir tout de suite. Donc AJC, c'est quoi? C'est 45 ans d'expérience dans le domaine de la fabrication du casque. Ils sont spécialisés à la base dans le casque de moto. Ils sont arrivés que récemment dans le casque de vélo. Ils occupent 20% de part du marché mondial dans la fabrication de casques moto, ce qui est énorme. Allez, on passe sans plus attendre à l'ouverture de ma boîte. Ce Furion 2.0, attention, je vais le découvrir avec vous. Ce magnifique noir mat, simple, efficace, avec le petit liseré caméléon, attention, hein. 195 grammes, donc autant dire qu'il est ultra léger, aérodynamisme pensé et réfléchi en soufflerie, avec les technologies employées en MotoGP, ça promet. Parlons donc déjà de l'esthétique. Alors pour moi, enfin vous l'avez bien vu sur nos vidéos récentes, on utilisait ce casque en rouge et noir, il était verni, donc très joli, très bien assorti à nos tenues, mais franchement le noir mat c'est quand même vraiment, vraiment la classe. Moi je préfère. Là, je pense qu'on aura encore plus de classe que d'habitude avec le Pot-au-Feu. Bon, on va quand même reparler technique. Il faut savoir que AJC, c'est la seule marque à posséder une soufflerie pour réaliser des tests sur leurs produits avant de les sortir, pour pouvoir les développer. Bon, évidemment, ils le font principalement sur les casques de moto à la base, mais ils l'ont parfaitement adapté aux casques de vélo pour pouvoir sortir ce Furion 2, qui est ni plus ni moins le meilleur compromis entre le casque classique et le casque aéro. Il reste très bien aéré, donc vous n'allez pas chauffer de la cafetière comme vous pouvez le faire avec un casque vol aéro plus classique. Et puis, tout simplement, vous allez gagner normalement 7% de puissance sur une sortie. Moi, je trouve ça énorme et je pense que c'est ce qui me manquait pour pouvoir doser Florian dans l'école du Pays Basque. Qui dit casque dit sécurité. Alors oui, vous allez me dire, bon, c'est la même chose, ça reste un casque. Certes, celui-là, il est joli, il est aérodynamique, donc oui, machin, il est aussi aéré, mais ça reste un casque comme tous les autres. Eh ben non, AJC, justement, ils ont tenté de remédier à ça et ils ont apporté une technologie supplémentaire en intégrant un squelette à l'intérieur même de sa coque pour pouvoir la rigidifier et qu'elle résiste encore mieux au choc. Et croyez-en, mon expérience des chocs à la tête, j'en ai eu un paquet et ça peut vraiment vous sauver la vie. AJC a aussi créé un nouveau système d'ajustement pour régler son casque à sa tête, le système Selfit. Il n'y a plus de cran, en fait il se règle automatiquement. Les seuls crans qu'il y a sont juste sur les côtés où on adapte juste le recul du système de maintien et à l'intérieur il y a des ressorts donc il s'adaptera automatiquement à votre tour de tête. Et ce qui est bien du coup c'est que vous n'avez pas à resserrer ou desserrer votre casque durant l'effort si votre tête gonfle un peu ou pas, ça nous est tous déjà arrivé. Du coup là il n'y a plus rien à faire, le casque s'adapte tout seul, c'est parfait. Dans ce Furion 2, la technologie CoolPad a été intégrée à la perfection. C'est quoi la technologie CoolPad, Yo-Yo? Pour faire cuire des pâtes à la cool. Ouais, pas tout à fait. La technologie CoolPad, en fait, tout simplement, c'est qu'ils ont supprimé toutes les mousses à l'intérieur de ce casque. Il y reste seulement celle qu'on a sur le front, pour éponger la petite goutte, tu sais, quand t'accélères dans la côte, pour tout simplement faire circuler l'air beaucoup plus facilement. Donc l'air rentre dans les aérations du casque et elle circule beaucoup plus facilement tout le long du casque pour rafraîchir le crâne et est extraite par l'arrière. Fallait y penser, c'est tout bête. C'est CoolPad. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo JCL en français et merci beaucoup à AJC, notre partenaire, pour cette magnifique réalisation. J'ai vraiment hâte de le reporter. Et si vous aussi vous rêvez d'afficher ce casque sur votre cafetière, ça tombe bien, on vous en fait gagner 3 de la couleur de votre choix. Pour ça, c'est simple, rendez-vous en description pour cliquer sur le lien et jouer en répondant à la question « Combien d'équipes pro sont sponsorisées par AJC en 2022 ?» On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Gros bisous, prenez soin de vous et surtout de votre tête. Ciao !